je suis trop contente d'être là déjà, numéro 1. Et numéro 2, je suis très contente de jouer en cette heure avancée de la journée. 17h30, c'est bien, tu vois. Moi, les concerts en après-midi, j'ai toujours trouvé ça super parce qu'en général, il y a des familles, tu vois, qui viennent avec leurs enfants et tout. Et moi, c'est vraiment mon public préféré, bien entendu. Alors, au début, quand j'ai commencé à écrire des chansons, on m'a dit quand même, ce serait bien que tu t'assures que les enfants qui sont présents, tu vois, dans l'auditoire, soient sourds. Alors j'espère qu'il y a beaucoup d'enfants sourds aujourd'hui à Nyon. Oui, c'est vrai. Ok. On peut les noyer, on peut les étouffer, on peut les brûler, on peut les congeler, mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive les capotes, vive les stérilets, vive la pilule du lendemain, vive la méthode du retrait. On peut les percer avec une aiguille à tricoter, on peut les jeter contre un mur, on peut les mettre aux ordures, mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive la fellation, vive la sodomie, mesdames, la ménopause a ses bons côtés aussi. Il y en a qui les vendent, qui les envoient en Thaïlande, mais même sans chercher si loin, en Belgique ils font ça très bien. On peut les dépecer pour sauver les grands brûlés, on peut les empailler comme déco pour la cheminée, mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Allez avec moi le paléo, d'accord? Vive les capotes, vive les stérilets, vive la pilule du lendemain, vive la méthode du retrait, vive la fellation, wow, wow, vive la sodomie, mesdames, la ménopause à ses bons côtés aussi. Merci les enfants sourds. Merci les enfants sourds et les gens normaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis un peu déçue parce que je me suis dit, je vais venir jouer en Suisse, il va y avoir plein de gens qui vont me jeter de l'argent comme ça, des liasses de billets sur la scène, personne ne l'a fait. Donc n'hésitez pas, il y a encore une heure de concert, hein, donc faites les fonds de poche. Incroyable, incroyable, des invités surprises. Oh, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment trop super, t'as eu une promotion, ta mère n'a plus le cancer, tu t'es habitué à tes morpions, et puis t'es soulagée parce que ta fille va avorter, elle s'est rendue compte qu'à 14 ans, c'est trop jeune pour être trois fois maman. Mais dans le fond, tu le sais bien, que ta vie c'est de la merde, que tout ce que tu fais ne sert à rien, parce que ta vie c'est de la merde, que t'auras beau essayer tant que tu veux, ta vie sera toujours de la merde, que tu ne seras jamais vraiment heureux, parce que la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que la maison ton voisin a brûlé. Toi qui voulais agrandir le terrain, ça ne pouvait pas mieux tomber. Et ta femme boit beaucoup moins grâce
à ces antidépresseurs. Et puis vous allez prendre un chien, y a de quoi être de bonne humeur. Mais dans le fond, tu le sais bien, que ta vie c'est de la merde, que tout ce que tu fais ne sert à rien. Parce que ta vie c'est de la merde, que t'auras beau essayer tant que tu peux, ta vie sera toujours de la merde, que tu ne seras jamais vraiment heureux. Parce que la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. Mais où est le paléo? Tu bouffes de la merde, tu écoutes de la merde, tu racontes trop de la merde, et tout ce que tu vois c'est de la merde. Tes enfants c'est des grosses merdes, et ta femme elle t'emmerde. D'ailleurs toute ta vie t'emmerde, mais maintenant tu fais comme tout le monde et tu t'émerdes. Maintenant tu te démerdes, allez tu t'émerdes. Maintenant tu te démerdes. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. En plus ils font de la musique. Du bruit, s'il vous plaît, pour mes percussionnistes de grand talent. Mais vous partez déjà. Ils partent déjà. Ah, mais oui, c'est vrai, vous avez tant de pays en guerre à sauver. Je sais. Je sais bien. Je sais bien. Mais oui, bien sûr, nous. Vive la vie, vive l'amour. Ça va être un peu le moment émotion, tu vois. Je vais devoir... m'a donné à cet exercice difficile de la chanson d'amour. Alors tu peux imaginer que ça me saoule encore plus que toi, mais tu sais, quand on fait des chansons et qu'on a un utérus, c'est un passage un peu obligé. Mais en même temps, tu vois, je me dis, peut-être toi, ça va te permettre aussi de t'adonner à ta passion favorite en tant que public, tu vois, et que ce soit un petit peu interactif. Peut-être tu vas pouvoir enfin faire des chœurs avec tes mains, tu vois, parce que je sais, j'ai regardé déjà des vidéos de concerts de Chimène Badi sur YouTube, et apparemment, vraiment, les gens sont friands de ça. Alors, est-ce que tu vas faire des chœurs avec les mains pour ma chanson d'amour, le Paléo? Ouais. Des gens font des chœurs et des gens crient non. Oui, non mais c'est pas grave, hein. Vraiment tu peux choisir l'organe de ton choix. Je ne suis vraiment pas... Tu peux faire des foies, tu vois, avec des petits poumons comme ça, tout rapoucri, tu vois, le cancer. Ou alors si tu n'as qu'une main, tu peux aussi bien sûr faire un petit anus avec tes doigts. Moi c'est évidemment mon organe préféré. Ah mais t'avais envie de faire des anus avec tes doigts depuis le début ou quoi, Agnon? C'est vrai? Alors montre-moi voir comment il est ton petit anus. Oh, très 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 joli. Oh, tout petit comme, tu sais, le mercredi après-midi, le centre aéré tout petit. Vous êtes trop mignon. Grosse soirée hier. Grosse soirée. Ouais, ok. C'est bien. Bon bah écoute, moi je chante des chansons d'amour. Toi tu fais des anus avec tes mains. Et ça va très bien se passer, ok? Je te proposerais bien de rester dormir chez moi si tu n'étais pas si bête. Mais je préfère encore me faire arracher un bras plutôt que t'écouter au petit-déj en tête-à-tête. Je te présenterais bien à mes copains si tu n'étais pas si laid. Mais à ce jour, je crois que même mon chien pense que je ne suis avec toi que pour les papiers. Et tu sais, la vie, c'est pas comme dans les romans. Ça ne peut pas être romantique tout le temps. Tu sais, la vie, c'est plutôt comme le disait ta mère. Ferme ta gueule et apporte-moi une bière. Je te présenterai bien à ma grand-mère si tu étais un peu plus blanc. Mais les médecins sont formels, c'est un cancer. C'est pas le moment qu'elle retouche à son testament. Je te demanderai bien d'enlever tous tes habits si tu n'étais pas si sale. Mais je viens juste de faire nettoyer mes tapis et il m'a semblé voir du sérum même dans tes poils. Je te ferai bien un petit truc à manger, mais je crois que t'es déjà bien assez gros.
Et je suis fatiguée d'avoir tellement marché, parce que tu ne rentrais pas dans la Clio. Et tu sais, la vie c'est pas comme dans les romans. Ça ne peut pas être romantique tout le temps. Tu sais, la vie c'est plutôt comme le disait ta mère. Ferme ta gueule et apporte-moi une bière. Je t'offrirai bien un dernier verre, mais je crois que t'en as pas besoin. Laisse-moi déjà enlever ton vomi de mon pullover et vider mon sac à main. Je te demanderai bien de me parler de toi, mais vraiment j'en ai rien à taper. Parce que ton crédit, ton deux pièces et tes chats, ça me donne juste tellement envie de crever. Et je te dirai bien comment je m'appelle, mais je ne veux pas donner de faux espoirs. Tu sais, c'est juste un petit coup derrière la poubelle. On n'est pas non plus dans une chanson de Grégoire. Et tu sais, la vie c'est pas comme dans les romans. Non, 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 ça ne peut pas être romantique tout le temps. Tu sais, la vie c'est plutôt comme le disait ta mère. Et qu'est-ce qu'elle disait ta mère? Je vois qu'on a eu à peu près la même enfance, ça me rassure. Merci beaucoup. Merci. Ah, mais c'est parce que tu m'as jamais vu au réveil pour ça. Tadam ! Maintenant je suis ici. Oh, mais c'est incroyable, il y a même des effets spéciaux. Mais c'est dingue, je m'attendais pas. C'est vraiment fou parce qu'à un moment elle était là, maintenant ici. Mais qui a signé la mise en scène sur d'autres Robert Rossel? Oh, c'est vraiment dingue. Comment ça va, Nio? Attends. Je voulais te poser une petite question. Je me demandais, parce que tu vois, comme je te connais pas, je voulais savoir, est-ce que t'es déjà dans ta vie été voir des concerts, ou est-ce la première fois que tu quittes ton domicile? Ce qui expliquerait, ma foi, certains accoutrements tout à fait étonnants que je vois devant moi. Est-ce que tu es déjà allé voir des concerts dans ta vie? Oui, non. Ouais, c'est vrai. Ouais, on est Suisse, on a plein d'argent, on a rien à foutre. Ah, c'est très bien, c'est très très bien. Alors du coup, puisque tu as déjà vu des shows un peu à l'américaine, j'imagine comme celui-ci, je me demandais si t'aimais bien quand parfois, tu vois, à un moment du spectacle, il y a des moments qui sont un peu plus énervés, tu vois, un peu plus, tu vois, trop dans l'énergie. Voilà, c'est ça, je voulais te demander, est-ce que tu aimes le rock and roll? C'est vrai, tu kiffes le rock ou quoi? Ok, bon bah du coup je suis vraiment désolée pour ce qui va suivre, mais dans l'absolu, t'as vraiment raison. Vive le rock and roll. La 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 la. Oh pardon, je suis tellement mal élevée, je t'ai même pas demandé si t'aimais bien les la la la. Tu sais, ta stérilité, tout le monde s'en fout. Autant que des bouts de verre coincés dans ton genou. Personne n'en a non plus grand chose à faire. Que ce soit bizarre d'apprendre que ton père c'est ton frère. C'est parce qu'en fait je joue très souvent en Belgique. Tu sais, dans la vie c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et personne pour toi. La 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 la. En vrai, ton overdose dans les toilettes du bistrot, au pire ça perturbera juste l'apéro. Et tu peux pleurer parce que t'as vu tes enfants mourir, mais nous, tu sais, ça nous empêche pas de dormir. Tu sais, dans la vie c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et personne pour toi. La 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 la. La 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 la. Alors avant de...
de nous accabler de ta tristesse. Demande-toi avant si ça nous intéresse. Et tu verras que bien souvent la réponse à ta question, eh ben c'est non. Tu sais, dans la vie c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et personne pour toi. La 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 la. Tellement intelligent malgré ce que tu dégages, Mion, bravo! Bravo, merci pour le rock and roll et merci pour le la la la! Et maintenant je suis revenue. Non mais on a vraiment du mal à suivre. Il y a tellement d'événements, scéniques, c'est complètement dingue. Bon, c'est vrai quand même, depuis le début, depuis que je suis rentrée sur scène, je fais un peu genre, tu vois, je fais un peu comme si, mais en vrai de vrai, je voulais vraiment beaucoup, et au nom de nous tous, tu vois, qui faisons des chansons devant toi, te remercier beaucoup d'être venue, parce que, bah, j'imagine, t'avais des tas d'autres trucs à faire, peut-être, je sais pas, il y avait des rediffusions, tu vois, d'émissions de Stéphane Plaza à la télé, tu te disais, ah oui, vite, il faut, tu vois, que j'interagis sur les réseaux sociaux avec mes amis, et pourtant, tu as fait le choix de venir ici, et ça, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci. Ouais, dans tes dents, Stéphane Plaza, qu'est-ce qu'il y a? Je suis comme tout le monde. Parfois, j'ai envie de crever. Comme tout le monde, moi aussi j'ai la télé. Quand je me demande à quoi bon tout ça, que je pense que la vie ne sert à rien, je m'installe confortablement dans mon sofa et j'allume TF1. Un univers merveilleux s'ouvre alors à moi et la vie est belle à nouveau. Jean-Pierre, Pernaud et Roy, que demander de plus beau? Je me plais à rêver qu'un jour, peut-être moi aussi, je serai belle en mangeant des yaourts. Des couleurs plein les yeux, j'aime à nouveau la vie. Et je prends une assurance parce qu'elle est courte. Ne cherche pas le bonheur trop loin, il est juste devant toi. Sur le bouton de ton choix. Je suis comme tout le monde. Je pense que je suis une grosse merde. Tout ça, tout ça. Alors je fais comme tout le monde. Je me compare à pire que moi. Je me dis que je suis peut-être une connasse, mais au moins mon mec n'est pas fan de tuning. Et peut-être que j'en fais rien de toutes mes heures qui passent, mais moi je ne serai pas au zapping. Allez, courez! Je peux voir le monde sans bouger de chez moi, et c'est mieux. Ne passeront pas par moi. J'ai acheté un décodeur. C'est encore vachement mieux que la vraie vie. Et puis c'est nettement moins fatigant. Pas besoin de se faire chier à avoir un avis. Ton cerveau se remplit tout seul comme un grand. Ne cherche pas le bonheur trop loin. Il est juste devant toi. Le bouton de ton choix. Mesdames et messieurs, mes danseurs incroyables, mes danseurs extraordinaires,
dans une chorégraphie de Kamel Wally, bien sûr, du bruit pour eux. C'est vraiment une avalanche d'invités. Tu savais, toi, qu'il y aurait comme ça un peu des stars du show business. Moi, je m'attendais pas. Non, mais je savais pas. Mais c'est Jean-Pierre Pernaut. Tu dis, non, mais heureusement qu'il est là. Non, mais parce que tu vois, moi, c'est vrai, je regarde toujours, tu vois, au trésor. Et heureusement qu'il est là. Parce que vraiment, sinon, je saurais pas ce qui se passe dans le monde. Tu, parce que bon, quand même, tous ces attentats, ils nous font beaucoup. Tu crois pas, d'ailleurs, ce serait bien quand même que tous les musulmans de France se désolidarisent un petit peu. Tu vois, des actes terroristes, ce serait important. Non, mais c'est vrai. Parce que l'article 43, finalement, c'est quand même bien pratique. Parce que tu vois, parfois, on n'a pas le temps de discuter. Tu vois. Et puis c'est, non, mais parce que le travail, tu vois, quand même, ça nous permettrait, tu vois, pour le chômage, etc. Non, de toute façon, il n'y a plus de saison. Non, mais moi, je t'ai toujours dit, il n'y a plus de saison. Moi, je m'habille, tu vois, je mets un pull, après, j'ai chaud. Non, mais ça, c'est le réchauffement climatique. De toute façon, tout ça, c'est la faute des communistes, tu vois. Non, mais évidemment, non, mais ça, c'est un complot sioniste. Non, mais évidemment. Quand je te regarde, je me demande parfois si t'es habitué au goût qu'elle a. Toute cette flopée de merde qui sort de ta bouche. T'as pas envie parfois de mettre ton visage dans une couche. C'est fascinant, t'as jamais l'air étonné de voir des flots d'excréments jaillir quand tu te mets à parler. On pourrait croire que l'odeur t'importunerait, et pourtant jamais, jamais tu ne te tais. Il faudrait penser à tirer la chasse quand t'as fini de parler. Tu sais, à force, ça laisse des traces. Ce serait sympa de nettoyer. C'est étonnant, t'as jamais l'air dégoûté que tes mots sortent accompagnés de diarrhée. Mais chier de la bouche, c'est pas très banal pourtant, et t'as pas l'air de trouver ça trop inquiétant. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir quelqu'un. Y'a sûrement un truc qui va pas super bien. Peut-être un dérèglement du transit du cerveau qui ferait sortir du caca à la place des mots. Et il faudrait penser à tirer la chasse quand t'as fini de parler. Tu sais, à force, ça laisse des traces. Ce serait sympa de nettoyer. Tu me diras, ça me regarde pas, c'est pas mon problème. En général, je suis plutôt d'accord sur ce système. Que chacun sa merde, et puis voilà tout. Oui, sauf que toi, ta merde, tu la partages avec nous. Normalement, son caca, on le garde pour soi. Et toi, tu nous en inondes, et ça, c'est moyen sympa. C'est dans nos oreilles à nous qu'il atterrit. Et si toi, ça te fait rien, pas nous, ça nous salit. Alors il faudrait penser à tirer la chasse quand t'as fini de parler. Tu sais, à force, ça laisse des traces. Ce serait sympa de nettoyer. Il faudrait penser à tirer la chasse quand t'as fini de parler. Ça laisse des traces. Ce serait pas mal de nettoyer. Merci beaucoup. T'es pas très jolie, mais t'es très gentille. Merci beaucoup. C'est un peu les inconvénients de jouer en plein jour, tu sais, je te vois. T'es quand même nombreux, Lyon. T'es quand même vachement plus nombreux que moi. Est-ce que t'es venu avec tes copains ici au palais? Oui, c'est vrai. T'es venu avec tes... Ah, ils ont l'air cool, tes copains. Oui, je te vois. Tu l'as fait 6 fois, je t'ai vu. T'es venu avec tes amis. Ah, t'as trop de chance. Moi, j'aurais trop aimé aussi venir avec mes copains, tu vois, pour te montrer à eux, pour te montrer, tu vois, comme toi, t'es cool au Paléo et que t'es le meilleur public des festivals qui existent, tu vois. C'est vrai. Je le dis à chaque fois, t'inquiète, je le dis à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, ah, mais comment faire? Vite, il faut trouver une solution, parce que, tu vois, pour qu'ils viennent, c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont, tu vois, pour, ils rentrent pas tout à fait dans les formats standards et tout n'est pas forcément adapté. J'ai dû trouver une solution un peu de dernière minute, et là, je me suis dit, ah, mais bien sûr, évidemment, il n'y a rien de plus facile, je n'ai qu'à tous les mettre dans une chanson.
trop malin. Non, mais elle a l'air conne comme ça. Elle a l'air vraiment débile. Mais en fait, finalement, je crois que ça va. Ouais, t'as raison. Je vais enlever mon commentaire sur YouTube. Est-ce que tu veux que je te parle de mes copains, Nyon? Est-ce que tu veux? Oui, c'est vrai. Tu veux que je te les présente? Oh, ah, trop bien. Alors attends, je te les présente. Tu vas voir, ils sont un peu comme ça. Ils sont trop sympas. Regarde, tu vas voir. Connaissez-vous l'histoire de Jackie le Nain? Ah merde, tu la connais déjà. Tu la connais. Du coup, je fais quoi? Je le chante quand même ou comment? Ouais. Okay. Bon, pour ceux qui la connaissent pas, ok. Alors tu chantes avec moi, hein, tu fais pas ton radin. Connaissez-vous l'histoire de Jackie le Nain qui en avait marre de ne faire ça qu'avec sa main? Alors un matin, il décide de sauter le pas et s'en va chez les putains claquer son RSA. Mais à peine sorti de sa maison, il tombe lamentablement sur son bon voisin Léon, tombé de son fauteuil roulant. Jackie lui dit: oh bah Léon, ça a pas l'air d'aller. L'homme tronc répond: bah non, j'ai plus de main, je ne peux plus me branler. Alors Jackie, grand seigneur, le glisse dans son caddie et lui dit: jette du beurre, on va rue Saint-Denis. Que tu sois gros, que tu sois petit, quel que soit ton problème, dans la bande à Jackie, tout le monde s'aime. En cheminant vers le bonheur, il rencontre le gros René qui, assis sur un banc, pleure en mangeant son sandwich au poulet. Il décide de l'emmener voir les filles bon marché et ça le rend content. René, il est trop gros pour se branler. En achetant des capotes chez l'épicier, il tombe sur leur bonne copine Laura qui, depuis son AVC, ne sait plus dire que. Laura leur demande: oh pute, tu viens? Répond Jackie. Laura leur dit: ils prennent ça pour un oui. Et tu vas continuer à faire ton radin, l'agneau, ou tu vas faire un peu du bruit pour la bande à Jackie? Comment ça se passe là? Que tu sois très gros, que tu sois tout petit, quel que soit ton problème, dans la bande à Jackie, le monde s'aime. En chemin, la joyeuse compagnie rencontre encore beaucoup d'amis: Robert l'incontinent, Marco le myopathe, Joseph le bossu et son chien à trois pattes. En les voyant arriver, les putes se mettent à courir et crier. Et même les mineurs sans papier cherchent un flic pour les protéger. On vit vraiment dans un monde sans pitié où même les putes à 10 euros n'ont pas une once de charité pour des handicapés pourtant très rigolos. Et ça vaut bien la peine d'économiser 3 mois d'alloc adulte handicapé pour finir par se taper une nana qui fait que crier. Ce sera répété, impliqué. Je me dis quand même, tu vois, comme là je peux te voir, je vois un peu toutes les sortes de gens qui sont là, et je me dis peut-être il y en a qui se sentent un peu exclus, tu vois, parce que c'est vrai, j'ai parlé de moi, tu vois, de mes copains, hein, tout ça, et je voudrais pas, tu vois, qu'il y ait des gens qui se sentent laissés pour compte. Du coup, je vais en chanter une toute petite pour certaines personnes qui se reconnaîtront, que je vois assises là-bas, dans le... Ça va, madame? Oui, tout va bien? Ça, le sonotone, tout va, les plats de fréquence, c'est bon? Ok. Ça va. Donc c'est pour elle et puis toutes celles qui lui ressemblent. Grand-mère, grand-mère, j'aime quand tu me racontes.
raconte des histoires. Grand-mère, grand-mère, oui, surtout celle de quand t'as glissé sur le trottoir. Et oui, grand-mère, il est très bon ce thé. Et non, ça ne me gêne pas que t'enlèves ton dentier. Ce qui me met un peu plus mal à l'aise, c'est que là, grand-mère, t'es en train de pisser sur ta chaise. J'ai rien dit quand tu m'as pris pour jardinier. J'ai fait semblant de ne pas t'entendre péter. Mais là, c'est dégueulasse, vraiment. Grand-mère, je crois qu'il est temps. Il est temps que tu meurs, grand-mère. Grand-mère, il est temps. On va passer chez le notaire. Et après, tu meurs. Grand-mère, on en a marre de changer tes draps. Marre aussi de te changer toi. On n'en peut plus de te ramasser près du lit. Tu sais, grand-mère, nous aussi, on a des vies. On n'a pas que ça à faire de réparer tes conneries. Quand tu mets ton chat à sécher à la laverie, on n'en peut plus d'aller te chercher au terminus, de nettoyer pour toi quand tu t'oublies dans le bus. Ah, ça pour les grands discours, t'es pas la dernière. Que les pauvres font trop de gamins, qu'y a pas assez de place sur terre. Commence par laisser la tienne, ça fait 102 ans que t'es là. Nous on est prêts, on a le cercueil, on attend plus que toi. Il est temps que tu meurs, grand-mère. Grand-mère, il est temps. On va passer chez le notaire. Et après, tu meurs. Merci pour elle. Merci pour elle. Merci pour elle. Thérèse, tu peux baisser un peu ça, s'il te plaît. Je parle pas toute seule, je parle à Thérèse qui fait le son. Là-bas, regarde, il est là, il te fait un gros anus comme ça. Mais un peu, Thérèse, tu déçois les gens. Mais oui, là, on le reconnaît bien. Là, on le reconnaît. Merci, Thérèse. Oui, tu sais, je voulais te dire, je crois qu'il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas qu'on oublie, nous autres, les gens qui montons sur scène, surtout quand on joue dans des festivals, tu vois, où il y a plein de gens différents, et où toi, tu viens, et puis on te partage tous ensemble. Tu sais, c'est un peu comme un gang-bang musical, tu vois, tout ça. Et c'est toi qui fais la fille. Et du coup, je me suis dit, peut-être il y a quelque chose d'essentiel qu'on a de temps en temps tendance à oublier et que je vais essayer de faire moi ce soir. C'est, tu vois, je me dis peut-être, toi, tu viens au festival, tu t'attends pas forcément à voir des trucs, mais peut-être tu espères qu'à un moment, les gens qui seront sur scène, ils vont arrêter de faire des nanani nanana, tu vois. Peut-être à un moment, ils vont dire des trucs, ils vont dire des trucs et peut-être même parfois ce sera la vérité. Peut-être même, tu vois, s'ils vont un peu loin, ils vont comme donner des coups de pied. Tu vois, comme ça dans la fourmilière. Et toi, public, tu pourras lever le poing et dire que t'es engagé, tu vois. Et dire que t'as la rage, que t'as envie de dire des trucs, tu vois. C'est vrai, hier j'étais à un festival et il y avait Kenji Girac. Et les gens, ils avaient le poing levé comme ça. Ils se l'ont mis, ouais, Ritano, tu vois. Est-ce que t'en as marre? Est-ce que t'en as marre des nanani nanana? Est-ce que tu veux qu'on te dise un peu des trucs ce soir? C'est vrai, t'as la rage, t'es engagé un petit peu, agneau. Tu vas montrer comment tu sais bien lever ton poing. Toutes nues, c'est trop des putes. Les filles qui montent leurs seins à leur bébé quand elles les allaitent, c'est trop des putes. Les filles qui enlèvent leurs culottes devant leur gynéco, c'est trop des putes. Les filles qui sont à poil sous la douche, c'est trop des putes.
une dernière fois, le point pour moi. Allez, t'es tellement engagé. T'es tellement engagé. T'as tellement la rage, j'ai l'impression d'être à un concert de Christophe Maé. C'est fou. T'en as vraiment marre. Ah, pardon, c'est parce que c'est le moment de mon tube. C'est pour ça. C'est ma meilleure blague. On n'aurait pas mieux. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la... C'est la drogue, excusez-moi. On va reprendre. Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, aussi j'avais des couilles, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Beaucoup plus économique, à 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques, et les capotes sont distribuées gratos dans la rue, alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans je pourrais devenir un vieux beau, alors que là depuis que j'ai 30 ans je suis déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Ouh, pisser debout. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginales. Et comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Oh, oh. Pisser debout. Ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Ah mais c'est vrai, t'as dit tout à l'heure que t'aimais. Non, je serais pas capitaine d'un bateau, non. J'irais plutôt me taper des putes au paléo. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Et je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter en meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don Juan. Oh, si j'étais un homme, si seulement. Pisser debout, pisser debout,
tu chantes bien. Tu chantes trop bien, tu me fous la honte. Tu me fous la honte tellement tu chantes bien. Parfois, tu sais, quand on vit comme ça, des moments un peu chouettes, où toi, tu fais des anus avec tes mains, tu vois, où tu chantes, tout ça, ça me rend toujours un peu triste, parce que je me dis, il y a forcément, tu vois, dans la logique proportionnelle de l'humanité, il y a forcément des gens dans la salle, tu vois, qui sont pas aussi contents que nous. Tu vois, peut-être même, ils sont très, très malheureux, parce que, je sais pas, pour diverses raisons. Par exemple, peut-être parce que leur vie, elle est trop de la merde, tu vois, c'est possible. Et je me sens toujours un peu gênée par ces gens, parce qu'ils doivent se sentir un peu exclus, tu vois, de la fête, et moi ça me rend triste, et je voudrais qu'ils sachent qu'ils sont pas du tout tout seuls, que moi je pense à eux, je pense tellement à eux que je leur ai écrit une chanson que je vais leur chanter maintenant, tu vois, à tous ces gens qui sont un peu oubliés du hasard, tu vois, pour qu'ils sachent que qu'ils sont pas tout seuls, que moi je suis là en tout cas, que moi j'essaye toujours d'avoir vers eux une main tendue, parce que parce que souvent eux n'en ont plus, donc c'est quand même la moindre des choses, et pour qu'ils se sentent pas tout seul, voilà, c'est pour eux. Si tu es triste, ne sois pas pessimiste. Écoute ma chanson et trouve la solution. Ne désespère pas, on ne va pas te laisser comme ça. Il existe plein de moyens d'adoucir ton chagrin. Tu peux te jeter d'un pont dans la Seine, ou dans ta baignoire t'ouvrir les veines, te pendre dans ton salon, ou encore essayer l'autostrangulation. Mais te jeter sous un métro, c'est abuser. C'est pas parce que ta vie pue qu'il faut faire chier. Et sauter de ta fenêtre, c'est pas très réglo. Pense à ton concierge qui devra balayer tes os. Meurs, meurs, meurs. C'est les médicaments, c'est plutôt propre et tu pars en planant. Mais tu peux aussi déménager dans la Creuse si tu préfères une mort lente et ennuyeuse. Alors, je veux pas qu'il y ait de jaloux, je suis venue en voiture ici, donc je sais que beaucoup plus proche de chez vous, il y a des endroits qui conviendront parfaitement à cette activité. Vraiment. C'est juste, ça rimait pas, je suis désolée. Un moyen radical de mettre fin à ta vie, c'est de t'organiser un petit voyage en Syrie, ou d'écouter en boucle le CD Florent Pagny. Mais encore faut-il vouloir mourir dans son vomi. Mais meurs, meurs. J'essaye vraiment de trouver des solutions. Merci beaucoup. Alors, tu sais... Qu'est-ce que... C'est quoi le... Tadam ! Je t'ai bien mis ! Oh, mais c'est fou ! Mais c'est fou ! Mais quelle mise en scène ! Mais c'est incroyable ! On va de surprise en surprise ! Mais qu'est-ce que... Mais à quoi ? Qu'est-ce que ce sera la prochaine étape ? Qu'est-ce que... Des lancers de nains comme ça dans le public ? Peut-être des cerceaux de feu comme ça, avec des femmes à barbe, tu vois, des femmes trop à barbe qui se promènent comme ça, nues sur des patins roulants. On ne sait pas, peut-être même un jour des cracheurs de feu, on ne sait pas, on est prêt à tout, peut-être même des cracheurs de fenouilles, on aura tout vu. Hein, des Qu'est-ce que. Ouah, des cracheurs de fenouilles. Papa, mais ouais, qu'est-ce que.
tu vas faire le festival de la rue d'Aurillac maintenant qu'on a des cracheurs de feu ici au palais au papa. Formidables. Ils sont formidables. Ils font aussi les mariages, les enterrements, les bar mitzvahs. N'hésitez pas à les engager. Je voulais te poser une question, Paléo. Paléo, est-ce que t'es là? Oui. Ah, trop bien, ce n'est donc pas une illusion d'optique. Alors, je voulais te demander un truc. Je pose cette question dans tous les endroits où je fais des concerts, dans chaque ville où je vais en tournante, tu vois. Comme ça, je fais un petit... après, je fais des petites fiches et j'en connais un petit peu plus sur les gens, tu vois, qui sont dans les endroits différents du monde. Je voulais te demander, à toi, qui est ici ce soir, est-ce que toi, tu trouverais ça cool ou est-ce que tu trouverais ça pas cool si tu étais, disons, un bigorneau? C'est cool? Cool, ok, cool. T'as dit pas cool? Ouais, mais c'est la démocratie, ta voix ne compte pas, tu sais. Ok, merci beaucoup, merci, c'était pour un petit sondage, merci. Je vois qu'on ne te la fait pas. Les tigres tuent, les belles panthères, les poules égouillent les vers de terre. Les lions massacrent les jolies gazelles, les chats dépouillent les oiseaux de leurs ailes. Mais de tous les animaux, c'est qu'il est plus fort et de loin. Les poules trop fastoches, on les bute par 20 dans leur cageot. On tue des hommes, des femmes, des vieux, des enfants à gogo. On peut tuer tout ce qui bouge, alors c'est qui les plus costauds? Les girafes s'empiffrent de feuillage, les vaches engloutissent des pâturages. Les lapins se bourrent de carottes et de choux, et les pandas se goinfrent de bambou. Brûler tous les champs. Nous, si on veut, on peut même faire fondre les glaciers. On peut dégommer la planète, qu'ils arrêtent de se la raconter. Oui, de tous les animaux, c'est qu'il est plus fort et de loin. Oui, de tous les animaux, les plus forts, c'est nous, c'est les humains. Girouette. C'est une vraie girouette. Et tu sais quoi? Maintenant, le paléo, ça va être un moment un peu spécial dans mon spectacle. Parce que est venu le moment pour moi de chanter pour toi ma toute dernière chanson. Bah écoute, je vais la chanter quand même, reste tranquille, c'est quand même moi qui ai le micro. Alors, c'est toujours un peu compliqué, tu vois, de choisir les dernières chansons qu'on chante devant des gens. Parce que, tu vois, on ne sait pas sur quoi se dire au revoir, ou peut-être salut, adieu. S'il y a des gens qui vont peut-être mourir bientôt, on ne sait pas qui est là ce soir, tu vois. Du coup, je me suis dit peut-être la meilleure des choses, c'était de se quitter sur une chanson qui représente un petit peu tout ce qu'on vit ici au Paléo. Peut-être un morceau qui va rassembler, tu vois, un peu tous les gens. Un truc qui va vous donner à tous envie de vous donner la main, tu vois. Vraiment, sauf ceux qui préfèrent se masturber, bien sûr, je ne suis pas là pour les juger. J'ai essayé de trouver un thème qui va tous vous concerner. Si vous ne vous sentez pas concerné, je vous invite à consulter votre médecin traitant dans les plus brefs délais.
Et avant de chanter ma dernière chanson pour toi, je voulais te dire merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, merci à Charles et au soleil, à la lumière, merci à Thérèse Osson, merci à Nadège et à mon bichon, le Goudroucrou, et merci d'avoir fait des anus avec tes mains. Et là, c'est le moment ou jamais d'en faire beaucoup, 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 parce que tu verras, c'est tout à fait à propos. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y a, Néon ? Est-ce que tu vas me montrer ton plus beau anus ou quoi ? À tous les messieurs, très très importants, aux pantalons très chers avec pas grand chose dedans. À toutes les dames, très très importantes, aux brushing très brochés pour bien couvrir leurs lentes. À tous les très parfumés, à toutes les très poudrées, à toutes les restes sur le côté, à tous les ongles bien limés. Je voudrais rappeler une chose qu'ils ont l'air d'oublier, que quoi qu'il en soit et qu'ils le veuillent ou pas, ils sont comme toi. Et toi, et moi, et comme toi, et comme moi, ils font tous caca. Quand t'ouvres la bouche le matin, en direct t'as mangé un rat. T'as beau mettre du rouge sur ta bouche, ça beau être très joli, tu mets quand même dedans ce bon serre ton mari pour faire pipi. Et même si tu portes des chaussures en croco, dans la rue toi aussi tu marches dans du vomi de clodo. Même si tu ne portes que de la dentelle et jamais de viscose, toi aussi ça te gratte quand tu as des mycoses. Parce qu'au fond vous êtes tout comme toi. Et toi, et moi, et comme toi, et comme moi, vous faites tous caca. C'est vrai, je fais caca. Ta mère, elle fait caca. Et ton père, il fait caca. Et même parfois, ton père, c'est sur sa mère qu'il fait caca. François, il fait caca. Manuel Valls, il fait caca. Et sœur Emmanuelle, je suis sûr qu'elle faisait des gros caca. Parce qu'on fait tous caca. On fait tous, tous caca. Aujourd'hui, et pas une bande de gros connards.